Voilà, ça va mieux comme ça si j'allume les choses. Bonjour à tous pour cette réunion de présentation de la rentrée pour les élèves de post-bac au lycée Louis-Vincent, donc rentrée 2022. Donc on va essayer de vous présenter rapidement quelques informations principales sur la rentrée et ensuite on essaiera surtout de répondre à vos questions, donc questions que vous pouvez posé par l'intermédiaire du chat de YouTube. N'hésitez pas à écrire dans le chat pour voir quels sont les problèmes que vous souhaitez aborder lors de cette réunion de pré-rentrée. Voilà, on va simplement faire un tour de la salle pour vous présenter les interlocuteurs de ce matin. Et je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur Zeitz pour qu'il se présente. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors, je suis Monsieur Zeitz, un des deux proviseurs adjoints en charge notamment de certaines classes de terminale ainsi que du niveau post-bac. Voilà, Monsieur Grandpierre. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur Loïc Grandpierre, donc je suis le deuxième proviseur adjoint du lycée Louis-Vincent. Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Gibert, délégué de la FCPE. Bonjour, je suis Frédéric Gibert, représentant de la FCPE, l'association des parents d'élèves présentes sur l'établissement. Il y a deux associations, il y a la PEP et la FCPE. Moi, je représente la FCPE et j'aurai l'occasion de vous expliquer un petit peu comment nous fonctionnons sur l'établissement. Voilà, on va revenir sur les différentes informations de l'établissement. Je vais faire quelques rappels rapides. Donc, je vous rappelle que les élèves rentrent le jeudi 1er. On va vous présenter tout de suite après selon quelles modalités. Les internes, eux, rentrent le 31 au soir. Et l'emploi du temps sera fonctionnel et opérationnel à partir du jeudi à 14h pour l'ensemble des élèves et étudiants de l'établissement. Voilà, donc vous aurez les informations possibles de cette rentrée sur mon bureau numérique en utilisant les codes que vous aviez en terminale et en première année de BTS ou de classe prépa l'an dernier pour vous connecter sur mon bureau numérique. Mon bureau numérique n'est pas encore opérationnel, hein, et il ne le sera que le mercredi, pardon, 31 août au soir. Là, vous avez la possibilité de vous connecter pour voir vos emplois du temps, vos enseignants et différentes informations que le lycée vous donnera. Donc, pas de souci. Le 31 au soir, vous avez la possibilité de vous connecter sur mon bureau numérique en utilisant les codes qui étaient utilisés l'an dernier sur déjà mon bureau numérique et ce qu'on appelait numérique. Les téléservices, les services numériques de l'éducation nationale. Voilà, donc je vais laisser M. Zeitz se présenter un petit peu cette rentrée pour les BTS, puisque vous l'avez compris, c'est lui qui est en charge des BTS et des classes préparatoires. Enfin, les classes préparatoires, je les prends aussi un petit peu en charge, mais en tout cas, c'est lui qui s'occupe de la partie post-bac. Voilà, à toi, Jean-Luc. Oui, merci, monsieur le proviseur. Donc, nous avons commencé ce YouTube live à 9h ce matin, hein, jusqu'à 10h pour tout ce qui était pré-bac. Donc, maintenant, nous allons nous adresser au public post-bac. Donc, à savoir que vous n'êtes pas concerné par tout ce qui a été donné, toutes les informations antérieures. Donc, nous allons essayer d'être assez pragmatiques et nous limiter aux informations qui vous concernent. Seulement vous. Alors, nous commençons. En ce qui concerne la rentrée, eh bien, cette année, le lycée a décidé, l'équipe de direction, de faire rentrer tous les élèves le même jour avec un horaire décalé. Comme on vous l'a rappelé, les emplois du temps seront suivis à partir de 14h l'après-midi. Les classes de BTS, que ce soit la première ou la deuxième année, rentreront à 9h30. Les étudiants de BTS sont attendus dans la cour et sont appelés par classe et par ordre alphabétique. Ils sont pris en charge par le professeur référent de 10h à 12h15. Ils prennent ensuite leur repas de 12h15 à 14h. Donc, à savoir que cette année, hein, le suivi des plages horaires pour les repas devra être respecté scrupuleusement,
car mon collègue a été en charge des emplois du temps. Il a réussi à supprimer les cours du samedi matin, à faire des emplois du temps très efficaces. Mais bien sûr, il y aura une heure pour manger pour les classes. Ensuite, en ce qui concerne les classes de prépa, la TSI 1 et la TSI 2, les élèves, la rentrée sera à 8h30. Les élèves de première et de deuxième année de classe préparatoire sont attendus dans la cour. Ils sont également appelés par classe et par ordre alphabétique. Ils sont pris en charge par le professeur principal de 9h à 12h. Ils prennent leur repas de 12h à 13h. Voilà pour les premières informations sur la rentrée. Alors je rappelle simplement que vous n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et les personnes qui sont là, et particulièrement M. Gibert et M. Grandpierre, sont en charge de la lecture de vos commentaires et questions, ce qui permettra de répondre à vos interrogations si vous en avez. Alors, plus précisément, vous avez maintenant à l'écran la répartition des salles d'accueil des différents niveaux. Alors, vous voyez que c'est principalement des classes des ateliers, des salles, situées aux ateliers, tout ce qui est en A. Nous avons également des classes au laboratoire. Nous avons dû également prendre deux classes au bâtiment externat. Car comme on vous l'a dit, tout le monde arrive le matin, donc vous comprenez bien que vu le nombre de salles, on a été obligé de s'arranger pour que tout le monde ait une salle d'accueil. Alors, les internes rentreront, il y a marqué là 17h, mais c'est 17h30 le soir. Ils rentreront par la porte principale de l'établissement, rue de Verdun. Ils seront accueillis par des AED et ensuite la vie scolaire se chargera d'eux. Alors, vous avez bien sûr dans la colonne de droite les référents, parce que vous savez, les professeurs référents, vous savez qu'en niveau BTS, vous n'avez pas de professeurs principaux, ce sont des professeurs référents, parce que contrairement aux professeurs de pré-bac, aux professeurs principaux qui, eux, ont une prime, les professeurs référents, eux, n'en ont pas. Alors, ensuite, nous avons... ce qui est important, je tiens à le signaler... chaque année, nous avons un peu des désagréments, c'est-à-dire que vous avez des stages qui sont à faire obligatoirement en première année et en deuxième année par les CH2 et une partie des stages pour les CIRA2. Vous avez tout ce qui concerne les BTS de production, c'est-à-dire CPI, CPRP, CRSA, les stages seront du 22 mai au 7 juillet, soit 7 semaines. Alors, je tiens à préciser que de temps en temps, je m'obligerai à venir voir les élèves pour voir si les demandes de stage sont bien faites. Parce que chaque année, on a des élèves qui, dans l'urgence, doivent trouver un tuteur ou une entreprise parce qu'ils ne se sont pas donné la peine pendant X mois d'envoyer des demandes. En ce qui concerne les CIRA, les CIRA, eux, ils ont une partie des stages qui se fait du 15 mai au 7 juillet, 8 semaines, et une partie en deuxième année, du 29 août au 22 septembre pour cette année. En ce qui concerne les chimistes, eux, leur période se trouve en deuxième année, c'est du 10 octobre au vendredi 28 octobre et du 7 novembre au 9 décembre, les vacances de Toussaint étant hors stage. Voilà. Alors, en ce qui concerne, il y a quand même une question qui est le nerf de la guerre, parce que chaque année, nous avons des questions à ce sujet. Vous savez que le recrutement par Parcoursup des premières années nécessite bien sûr que les élèves recrutés soient solvables. Parce que chaque année, nous nous trouvons avec des élèves qui, à un moment donné, nous disent « Ah ben moi, j'ai pas de... » J'ai pas de ressources nécessaires pour payer la coquine. Donc, on peut, discrétionnaire, utiliser les fonds sociaux, mais généralement, vous comprenez bien qu'un élève qui est pris doit normalement s'acquitter de la coquine ou voire de la partie internat. Là, j'ai remis alors le coût de cet internat, qui est de 1 632,52 euros
tout compris, c'est-à-dire l'hébergement ainsi que la cantine. Pour un demi-pensionnaire, le DP 5 jours payera 626,40 €. Le DP 4 jours, 532,80 €. Le DP 2 jours, 297,36 €. Et celui qui veut manger des journées supplémentaires, il peut prendre des tickets, sachant que le ticket est à 4,35 €, qui sera révisé au mois de janvier, parce que c'est la région qui est en charge du prix de ce ticket, et ça marche en année civile. Oui, donc je précise simplement que, et on ne l'a pas évoqué d'ailleurs tout à l'heure pour les secondes premières et terminales, par rapport au coût de la demi-pension, effectivement, vous savez que les denrées sont en augmentation et qu'on risque d'avoir une augmentation de coût de la demi-pension. De la même façon pour les internes, tout ce qui est chauffage, etc., nous coûte plus cher. Et donc la région fixe des tarifs qui risquent d'être en augmentation, mais ils ne seront en augmentation qu'à partir du 1er janvier, comme M. Zayt vient de le dire, puisque ça doit être présenté en conseil d'administration avant application. Donc il peut y avoir des augmentations. Maintenant, je ne pense pas qu'il n'y ait beaucoup d'augmentations. Il peut y avoir quelques euros en plus à rajouter à la facture sans que ça soit quelque chose d'extrêmement important, ce qui représente un coût quand même relativement raisonnable. Vous regardez, c'est un coût raisonnable pour l'ensemble des élèves de post-bac. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez choisi d'être demi-pensionnaire ou interne, les augmentations qui sont prévues certainement par la région, même si je ne suis pas au courant par rapport à leur choix, pourront être formulées à partir du mois de janvier, sans que ça ne dépasse de manière importante les chiffres qui vous sont présentés là. Merci, Monsieur le Proviseur. Alors, une précision supplémentaire. Vous savez qu'à la rentrée, les étudiants, ne connaissant pas forcément leur emploi du temps avant cette rentrée effective, doivent, pendant 15 jours, selon cet emploi du temps, choisir. Celui qui a pris, par exemple, un DP 4 jours devra choisir les journées, parce qu'il ne pourra pas aller manger avec sa carte à des journées qui ne seront pas affectées. Un exemple, s'il a pris un DP 2 jours, le lundi, le mardi, le mercredi, la carte le bloquera. Et s'il devait, de façon éventuelle, utiliser une troisième journée, il pourra aller prendre un ticket à 4,35 €. Alors, sachant que les 15 premiers jours seront libres à la demi-pension, pour les demi-pensionnaires, je précise bien, parce que les externes, il n'est pas question qu'ils passent à la demi-pension. Ensuite, ils auront une fiche à remplir et une régularisation s'opérera soit 2 semaines ou 3 semaines après la rentrée. Bon, pas d'inquiétude non plus, puisqu'il faudra avoir une carte pour passer à la demi-pension. Cette carte pour les élèves... pour les étudiants post-bac n'est pas fourni par la région. En tout cas, la carte jeunesse ne permet pas de passer à la demi-pension. Donc je vous invite simplement à garder votre carte des années passées. Donc la carte de terminale, vous la gardez et nous l'utiliserons pour faire passer à la demi-pension. Si vous n'avez pas cette carte, s'il y a un problème, ne vous inquiétez pas, vous passerez dans les 15 premiers jours. Par contre, au bout de 15 jours, il faut qu'on règle l'ensemble des problèmes qui se sont posés aux élèves. Donc gardez bien votre carte jeunesse de l'année dernière, elle sera encore utile pour cette année prochaine. Merci, Monsieur le Proviseur. Alors, une autre question qui intéresse aussi certains d'entre vous, c'est les bourses. Parce que, comme chaque année, il y en a qui n'a pas encore fait leur demande. Donc, je vous invite à aller sur le site messervices.etudiant.gouv.fr et vous aurez à cliquer sur « Demande de dossier social étudiant, DSE », pour voir, pour une ouverture de dossier de bourse. Il y a également, ce n'est pas là sur la diapositive, mais tout un tas de renseignements sur les logements, sur d'autres choses qui vous sont accessibles. Et je vous invite fortement à y aller, sachant que vous avez, je crois, jusqu'au mois d'octobre encore, normalement. Normalement, ça devrait être déjà réglé, mais chaque année, il y a une tolérance qui est octroyée. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui se réveillent après la rentrée pour voir s'ils ont ou pas la possibilité d'avoir une bourse.
Alors, une autre chose qui est essentielle, bon là c'est PIX, je vais en parler juste dans une minute, mais avant cela, à partir de la session 2023, il est question de mettre une certification de langue en place. Donc ça, on aura plus d'informations au cours de l'année, parce que vous serez invité à passer une certification officielle. C'est avec cette certification que vous pourrez avoir le BTS. Ce sera une condition obligatoire. Tout comme le SORAPIX que vous voyez là, qui est un service public qui est en ligne et qui permet aux élèves d'évaluer leurs compétences numériques, de développer ces compétences numériques et également de les valoriser. Alors, qu'est-ce que c'est que ce PIX ? Ce PIX, c'est un système qui permet à l'élève de s'évaluer dans 5 domaines qui contiennent 16 compétences. Il y a un référentiel qui est adossé au cadre de référence des compétences numériques. Et je vous invite fortement déjà à vous renseigner, parce qu'on va commencer des campagnes de rentrée d'ici la fin septembre. On va voir ça. Vous avez là en vert les différentes compétences qui sont dans chaque domaine. Alors, à savoir que c'est très complet comme évaluation. Un style, par exemple, de question, on vous présente une image. Vous voyez, par exemple, un animal sur l'image et on vous dit, derrière l'animal, il y a un objet. Quel est cet objet ? Et quel est le but de cette question ? C'est de voir si vous savez utiliser certains logiciels qui permettent de truquer des images. Parce que l'élève est censé connaître ces logiciels, et voilà, et d'amener l'image en question dans le logiciel, et le logiciel vous fournit la réponse sur la construction qui a été faite de l'image. Voilà, donc, par exemple, une autre question, c'est la donnée de données GPS. On vous demande de quel lieu il s'agit. À vous de savoir quel logiciel utiliser pour vous dire, par exemple, que ces données GPS correspondent à un lac dont on vous donne le nom. Vous voyez, c'est assez complet. Je m'y suis moi-même frotté et puis j'ai dû arrêter au bout d'un certain nombre de questions parce que je me suis aperçu, ma foi, qu'il fallait que j'enrichisse mes connaissances. Alors, PIX est d'autant bien fait. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure que l'élève avance, les questions sont adaptées à l'élève. Et en plus, à la fin, il y a des liens qui lui sont donnés sur des didacticiels qui lui permettent de compléter ses lacunes. Donc normalement, au bout de l'année, il doit avoir enrichi considérablement ses compétences informatiques. Voilà. Alors, PIX est également, tout comme la certification en langue, un des critères obligatoires pour l'obtention du BTS. Vous avez là quelques statistiques qui vous permettent de voir un peu les résultats de nos BTS durant les dernières années. Ça commence de 2016 à 2017 sur ce document. Vous voyez qu'on a complété 2021-2022. Bon, à part le BTS CPRP, où ma foi, toutes les promotions ne sont pas toujours identiques. Et il suffit d'avoir des promotions. Là, ce sera un effectif qui est de 12. Vous comprenez bien que il suffit qu'il y ait 6 élèves qui n'ont pas eu leur BTS, leur diplôme. On se retrouve vite avec une statistique qui est plutôt défavorisante. Voilà. Alors, sinon, pour les autres BTS, c'est tout à fait honorable. Bien sûr, le CPI 100%, vous avez 73% en CRSA, 92% en CIRA et 82,6% en chimie. Alors, moi, je tiens à vous dire que rater un BTS pour un élève qui est normalement normal, qui fournit un travail régulier et puis constant, l'obtention du BTS doit être simple à acquérir parce que généralement, lorsqu'on voit des taux comme en CPRP, c'est dû à l'absentéisme parfois qui est important. L'élève, surtout, ne rattrape pas ses absences. Donc, il y a des chapitres qui lui sont méconnus. Il sous-estime l'importance de ses absences et le jour de l'examen, il se fait avoir. Donc, le BTS, normalement, c'est une assiduité forte qui doit être opérée. Et de toute façon, la vie scolaire est assez exigeante de ce côté-là. Alors,
Voilà, moi je m'arrêterai là parce que je ne vois pas d'autre, à moins que Monsieur le Proviseur veuille compléter par des informations. Oui, on va déjà essayer de répondre aux quelques questions qui se sont posées sur le chat. Et puis ensuite, on présentera effectivement les dates de la partie élection. Et on vous donnera quelques rendez-vous déjà qu'on met en place pour l'année 2022. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, Monsieur Gibert, je vous en prie. Oui, alors je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur le proviseur Zeitz, par rapport au tarif de la cantine. Vous ne nous avez pas dit si c'était pour le trimestre ou pour l'année, les montants. Voilà, ça c'est important. Donc c'est pour l'année. Pour l'année, monsieur. Voilà. Une question dans le chat à propos de la cantine, savoir quels sont les menus proposés. Est-ce qu'il y a des menus type halal ou végétarien pour pouvoir pallier à cela? Et une autre question qui ne concerne pas les BTS pour le coup, mais les CPGE, mais je ne vois pas qu'on l'oublie parce que c'était la première. Oui. C'est une question fondamentale parce que ça ne touche pas que lui, Vincent. C'est, d'une façon générale, à Faber, c'est pareil. Pour avoir eu une enfant qui passait par une CPGE, il était effectivement nécessaire de s'inscrire à la fac. Alors la raison pour laquelle j'ai peur de dire des bêtises, donc je ne me souviens plus exactement de pourquoi. Je crois que c'est une histoire avec le CROUS. Mais peut-être pas. Voilà. Donc si quelqu'un a cette réponse, je suis preneur. Oui, alors déjà, effectivement, l'inscription pour les CPGE à la faculté est obligatoire pour l'obtention de la poursuite d'études au niveau des écoles d'ingénieurs. Mais alors l'intérêt est surtout le fait de pouvoir avoir quelques équivalences entre les formations de la faculté et les formations de classe préparatoire. Et puis effectivement, alors ça donne accès au CROUS, etc., à tout ce qui est annexe un petit peu au niveau de la faculté. Donc on a bien ces services qui sont mis à disposition et qui ont un coût. Et donc ces coûts sont partagés entre tous les élèves étudiants. Et donc, pour les CPGE, c'est bien obligatoire. Alors, c'est vrai que à Louis-Vincent, c'est un peu particulier parce que les élèves de Louis-Vincent n'ont pas tendance à rejoindre la fac en cas de problème. S'ils ne souhaitent pas poursuivre leurs études en classe préparatoire, ils vont plutôt sur un IUT, un BTS, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois un peu de mal à comprendre l'intérêt de l'inscription. Bon, elle est toutefois obligatoire. C'est pas du tout le cas pour les classes préparatoires littéraires, puisque dans les classes préparatoires littéraires, on a besoin d'équivalence entre ce qui est fait en classe préparatoire et les études universitaires pour pouvoir poursuivre des études. Donc évidemment, là, c'est vraiment nécessaire. C'est un peu moins vrai pour les classes de CPGE, les classes préparatoires de CPGE. Néanmoins, c'est obligatoire. Donc c'est une participation financière qui est obligatoire. Par contre, les boursiers en sont dispensés. Hein, donc il n'y a pas d'inscription, en tout cas pour les boursiers. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont boursiers. Pour les autres, encore une fois, c'est obligatoire. Alors ne vous inquiétez pas pour cette inscription, puisque dans le courant du premier trimestre, on va vous solliciter pour que vous vous inscriviez à la faculté. Ce n'est pas obligatoire maintenant, avant l'entrée en classe préparatoire, c'est obligatoire avant la fin de l'année. Donc on a un tout petit peu de temps quand même pour le faire. Sur les menus de la cantine, il n'y a pas de repas halal. Sauf si il y a de la viande halal qui est achetée, mais ce n'est pas indiqué en disant que telle viande est halal et telle viande ne l'est pas. Ce n'est pas proposé. Par contre, les menus végétariens, oui, sont proposés. Il y a un choix qui est réservé à la demi-pension et il peut y avoir des menus végétariens. Donc la loi dite Egalim nous oblige d'ailleurs à le faire. Donc il y a des propositions de menus végétariens qui sont faites à la demi-pension. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres. Je me souviens plus si vous aviez d'autres questions encore. Micro. Une autre question, monsieur le proviseur, parce que nous, on a dit qu'on rentrait à 17h30, que la rentrée des internes. Bon, il se trouve hier, effectivement, que madame Lapara, parce que j'ai été la voir pour une autre question, et elle m'a dit qu'elle préférait que les élèves arrivent plus tôt, vers les 16h30. Donc, moi, je me suis dit, je ne savais pas s'il y avait eu un changement depuis qu'elle m'a dit, là, parce qu'on a parlé de 17h30 entre nous.
Voilà. Alors, écoute, bon, là-dessus, je ne suis pas personnellement informé de ce changement. Donc, si la vie scolaire vous a dit de rentrer plus tôt, ben, venez plus tôt. Mais encore une fois, je ne suis pas personnellement, je regrette de ne pas être informé d'ailleurs, de ce changement, surtout que les dates et horaires ont été choisis avec la vie scolaire au mois de juin. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant qu'on n'ait pas cette information. On n'a pas l'information ce matin. On a eu la même question tout à l'heure pour les élèves de seconde, première et terminale, et je ne suis pas capacité d'y répondre puisque je n'ai pas l'information. Donc, si vous avez eu un coup de fil de la vie scolaire vous indiquant qu'il valait mieux plutôt arriver à 16h30 ou 17h, pourquoi pas, quoi, je veux dire. Mais enfin, encore une fois, ça modifie les informations qui ont été données. On essaiera de vous faire passer ça, je ne sais pas par quel canal d'ailleurs, sur le site internet de l'établissement, pour bien vérifier que l'horaire est le bon. Et j'en suis désolé, je vous présente toutes mes excuses par rapport à cette organisation défaillante de l'établissement. Une autre question, monsieur le proviseur, c'est qu'on nous demande pourquoi n'y a-t-il pas dans la cantine le choix d'une DP 3 jours. Alors, ça, c'est tout un programme. Je vous avoue personnellement que les arguments me posent toujours question. Mais enfin, bon, voilà. Alors, en tout cas, la réponse qu'on a de l'intendance par rapport à cette organisation, c'est que les élèves peuvent choisir un forfait 2 jours et ils peuvent aussi prendre un repas à l'unité. Bon, ce qui leur permet. Alors, il y a un maximum, et je vous avoue que je ne me souviens plus, je crois que c'est 4 par mois, ou 5 par mois, je ne sais plus. Mais ça permet simplement que on puisse s'adapter ou adapter le repas en fonction du jour réel où on va prendre le repas. Il ne faut pas oublier que la problématique du forfait 2 jours, 3 jours, 4 jours, ce sont des forfaits qui doivent respecter des jours précis. C'est-à-dire que quand on a un forfait de 2 jours, ce n'est pas qu'on mange 2 fois dans la semaine. C'est qu'on mange le lundi et le jeudi. Et donc, si vous souhaitez manger le mardi, une fois de temps en temps, ben, ce n'est pas possible avec ce forfait 2 jours, sauf à racheter encore une fois un ticket à l'unité. Donc, c'est pour ça que c'est un tout petit peu complexe. Les professeurs référents de BTS vont vous expliquer ça et vous essaierez de trouver la meilleure formule possible pour que vous ne payiez pas des repas que vous ne prenez pas dans l'année. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. On a déjà, vous savez, j'ai quelques années d'ancienneté à la tête des établissements scolaires. Et il fut un temps où on n'avait que le forfait demi-pensionnaire ou pas demi-pensionnaire. Hein. Donc on n'avait pas de forfait 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Donc là, on essaye de s'adapter. Et en plus, on a la possibilité de manger des repas à l'unité. Donc vous devriez trouver la meilleure solution possible de cette demi-pension. Et puis on essaiera d'y réfléchir pour être le plus simple possible pour les années qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore, monsieur? Oui, monsieur le proviseur. Alors, on nous demande si la réunion de demain à 18h30 pour les parents d'élèves est-elle obligatoire? Celle-ci abordera quel point de la CPGE? Alors, la réunion de demain, elle est faite de telle façon à ce que la vie scolaire vous explique le fonctionnement de l'internat, de comment on peut contacter la vie scolaire en cas d'absence, de comment vous pouvez contacter la vie scolaire en cas de problématiques particulières, de maladies et autres. Donc, est-elle obligatoire? Ben, elle est souhaitable. Je ne peux pas vous obliger à venir à une réunion où je vous invite. Mais elle est souhaitable parce qu'elle vous permet d'avoir les informations nécessaires et de voir quels sont les interlocuteurs que vous allez pouvoir solliciter. Il ne faut pas oublier que les enfants vont être, s'ils sont scolarisés à l'internat, vont être pendant 5 jours complètement distants de la famille. Et donc, je sais que maintenant, il y a beaucoup de téléphones portables et qu'il y a beaucoup d'échanges de ce type-là, mais c'est bien de savoir et de rencontrer les personnes qui s'occupent de vos enfants durant toute l'année. L'idée de cette réunion, qui ne devrait pas être trop longue, donc les points abordés, encore une fois, je rappelle, c'est le fonctionnement de l'internat, le fonctionnement de l'admi-pension, les absences, le fonctionnement de la vie scolaire. Est-ce qu'on peut, par exemple, vous voyez,
parce qu'après, vous allez me poser plein de questions de savoir si on peut sortir le jeudi soir pour aller faire la fête quand on est interne. Eh bien, vous aurez ces réponses-là et la vie scolaire vous donnera clairement ces réponses-là. Ou alors, est-ce qu'on peut sortir le soir pour faire un cours de sport particulier, s'inscrire à une salle de fitness Toutes les informations vous seront données par la vie scolaire à ce moment-là. Sachant qu'effectivement, encore une fois, si vous avez un quelconque problème pour vous rendre à cette réunion, vous pourrez avoir en direct les CPE qui vous expliqueront aussi en direct comment ça se passe et comment ça fonctionne. L'idée, hein, puisque vous êtes bien obligé d'accompagner vos enfants pour tout ce qui est trousseau, etc., et qui sont pour leur porter les bagages, etc. Bon, ben voilà, vous êtes là, donc on prend une demi-heure, une heure pour essayer de vous expliquer comment fonctionne l'internat. Mais encore une fois, je ne peux pas rendre obligatoire la présence. C'est pas parce que les parents ne seront pas là qu'on n'acceptera pas les élèves à l'internat ensuite. Hein, donc ne vous inquiétez pas, ça sera bien pris en compte. Mais c'est demain ? Parce qu'elle me dit demain. Non, c'est pas demain. Non, voilà. C'est pas demain, c'est mercredi. Voilà, c'est pour pardon, ça. C'est mercredi. Hein, ouais, c'est, ouais. On va pas venir le dimanche okay. En plus. Là, on est déjà là le samedi matin. Donc ça répond à la question de d'autres parents qui justement oui, s'interrogeaient par rapport à mercredi. Oui. Quoi. Non, voilà. c'est bien mercredi et pas dimanche que la réunion a lieu. C'est le jour où vos enfants sont attendus à l'internat et pas le dimanche. Hein, donc voilà. Ne vous inquiétez pas et ne venez pas le dimanche. Je ne serai peut-être pas là pour vous accueillir. Voilà. Une autre question, monsieur le proviseur, concernant les bourses. Savoir si un dossier est traité, si une bourse est accordée. Y a-t-il un référent bourse sur l'établissement pour les étudiants ? Alors, le référent... Tu veux répondre ? Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, donc au niveau de la personne aux ressources pour tout ce qui touche les bourses, donc c'est madame Magini, secrétaire au niveau du secrétariat élève, qui a en charge les terminales et les étudiants du post-bac. Donc, si vous avez la moindre question par rapport aux bourses, n'hésitez pas à en prendre contact avec elle. Elle maîtrise absolument le sujet. D'ailleurs, d'un point de vue plus général, c'est Madame Magini, le secrétariat élève, qui s'occupe de toutes les informations administratives concernant les élèves de post-bac, BTS ou classe prépa. Donc, si vous avez une question administrative, vous pouvez la solliciter. Si vous avez une question plus pédagogique et d'organisation, c'est Monsieur Zeiss que vous avez à l'écran. Et moi, en dernier recours, si vous n'avez pas eu l'information que vous souhaitiez avoir. Il est possible de mettre les coordonnées de Mme Magini sur le chat. Alors, les coordonnées, c'est pour ce qui concerne, en tout cas, le téléphone, c'est le téléphone de l'établissement. D'accord ? Donc, vous téléphonez à l'établissement. Vous avez un menu déroulant qui vous dit tapez 1, tapez 2, tapez 3. Alors, je ne sais plus le numéro du secrétariat élève. Donc, vous demandez, vous passez par le secrétariat élève. Et ensuite, on vous propose post-bac ou pré-bac. Et donc, là, vous pourrez avoir Madame Magini. Si vous souhaitez la contacter par courriel, à ce moment-là, vous pouvez écrire au courriel de l'établissement directement et les informations et la question lui sera transmise. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore qui sont posées ? Il y a une question, monsieur le proviseur, par rapport à l'information, la communication de la réunion de mercredi. Comment cette information a été donnée ? Alors, l'information était donnée dans le dossier d'inscription des élèves. Donc, c'est bien dans le dossier d'inscription que vous aviez ces informations-là. De toute façon, je ne vois pas bien quel est le problème, parce que vous savez bien que les élèves doivent rentrer dans l'internat. Il y a cette possibilité donc de rentrer le mercredi. Si vous ne pouvez pas venir le mercredi, vous pourrez toujours rentrer le jeudi, mais il faut bien quand même qu'ils prennent le temps de rentrer dans l'établissement. Et je crois, et on en a eu le témoignage direct, puisque vous avez été prévenu par la vie scolaire directement et individuellement par téléphone. On vous a d'ailleurs demandé si l'enfant souhaitait prendre son repas à la demi-pension le soir. Donc vous avez été prévenu directement également. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore qui...
Encore une question, est-ce qu'il y a une date limite d'arrivée dans l'établissement pour les étudiants en BTS venant de l'étranger ? Alors, la date limite, on va dire le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est sûr que je comprends, certains élèves qui viennent de l'étranger n'ont pas toujours leur autorisation de séjour à jour. Donc ça peut poser quelques problèmes. Non, on essaye de prendre en compte votre situation. Simplement, si vous manquez des cours en début d'année, il faudra bien sûr les rattraper. Et c'est un peu difficile de rattraper les cours de début d'année. C'est un moment important. Donc essayez d'être présent le plus tôt possible. Et en tout cas, si vous avez des difficultés, prévenez la vie scolaire pour indiquer que vous ne pouvez pas être là sur tel ou tel moment. Une autre question concernant toujours les bourses, mais pour les bourses au mérite, pour un élève qui a une mention très bien en baccalauréat, il peut prétendre à une bourse au mérite. Quelles sont les modalités ? Encore une fois, il faut se rapprocher de Madame Magini. Voilà, le plus simple pour tout ce qui concerne les bourses, c'est de se rapprocher de Madame Magini, donc secrétariat élève. Vous téléphonez à l'établissement, vous demandez le secrétariat élève, ou vous tapez la touche concernant le secrétariat élève, et vous posez la question à Madame Magini pour savoir comment ça va se passer. Si vous avez une bourse au mérite, de toute façon, c'est automatique. Ça sera pris en compte, donc il n'y a pas de souci particulier. Mais néanmoins, encore une fois, pour ne pas louper de date ou de problématique particulière, n'hésitez pas à poser la question directement à Madame Magini dès la première semaine de la rentrée. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant le diapo sur les élections ? Donc là, un petit mot simplement pour vous dire ce qu'il en est. Alors d'abord, parents d'élèves et d'étudiants de post-bac, vous avez la possibilité d'intégrer les équipes du conseil d'administration, des différentes réunions dans l'établissement. Donc, vous le savez, vous avez passé, pour la plupart d'entre vous, 3 ans dans un établissement français. Donc, vous savez quel est le fonctionnement en termes de représentativité. Et vous avez ce qui s'affiche à l'écran là, les dates qui correspondent à la... aux élections au conseil d'administration. Donc, je rappelle, vous avez 2 associations que M. Gibert représente là ce matin, puisque la PEP n'est pas là, mais vous avez les 2 associations qui sont présentes, qui vous proposent de vous accompagner dans toute votre démarche au niveau de l'établissement. Pour ce qui concerne l'administration, vous avez une réunion qui aura lieu le samedi 10 à 9h en salle d'honneur. Donc cette fois-ci, on est en présentiel, on n'est pas à distance. Vous pourrez vous rendre directement dans l'établissement et je vous présenterai le fonctionnement du conseil d'administration, le fonctionnement des représentations, des conseils de classe, etc. Donc je vous présenterai comment ça fonctionne un établissement scolaire. Bien sûr, encore une fois, c'est un petit peu la même chose que ce que vous avez déjà eu dans vos autres établissements précédents. On n'a pas de différence majeure entre établissements sur ce point-là. Et puis vous pouvez vous présenter même sur une liste électorale, soit d'une association existante, soit même déposer votre propre liste si vous le souhaitez. Et les élections auront lieu mi-octobre pour pouvoir savoir qui vous représente lors des différentes instances de fonctionnement de l'établissement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir le 10. Bien sûr, j'en parlerai aussi, je serai là moi aussi le mercredi soir pour recevoir les parents. Et donc, je vous présenterai cette partie-là aussi, les parents d'élèves, des élèves internes, parce que je sais qu'ils viennent de loin. Donc, l'idée de faire cette réunion le mercredi, c'est de faire en sorte que les parents soient réunis le jour où les élèves sont accueillis pour éviter de vous faire venir 2 fois. C'est un petit peu l'idée qu'on en avait. Voilà, peut-être Monsieur Gibert présenter la FCPE et peut-être la PEP aussi et les dates de réunion qui sont prévues. Oui, très bien. Donc voilà, moi je représente la FCPE. Nous avons une réunion d'information qui est prévue pour le mardi 13 en présentiel au lycée
à partir de 19h30. Et là, nous allons pouvoir vous déployer un peu ce que nous faisons durant l'année. Et puis, évidemment, récolter les listes des parents qui souhaitent se présenter pour devenir délégués de classe. Et donc c'est valable également pour les BTS et les CPGE. Et nous en avons eu l'année dernière, les années précédentes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez être parent délégué sur une classe, c'est possible. Et puis vous pouvez également, donc, comme disait Monsieur le Proviseur, rejoindre le conseil d'administration. Et pour cela, il faut vous faire connaître. Parce qu'il faut, pour aller sur le conseil d'administration, il faut être élu. Et puis sur certaines commissions également. Donc il est temps de vous manifester d'ici. Maintenant, vous pouvez nous joindre en nous retrouvant sur FCPE LV Metz. Vous tapez ça sur Internet et vous trouverez nos contacts. Ou alors venir à notre rencontre, le mardi 13 septembre à partir de 19h30 au lycée. Et pour la PEP, qui n'est pas là, mais j'ai promis à Sandrine Cornet, la présidente de la PEP, de dire que leur réunion est prévue, elle, le jeudi soir, dans la même modalité, en présentiel au lycée. À 19h. À 19h, voilà, j'avais plus l'heure à 19h. Voilà. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons sur le lycée de façon très simple? Nous apportons une aide au devoir pour toute adhésion à la FCPE. Vous avez droit à une aide au devoir avec le soutien de Prof Express, qui est une entité, pour résumer, un petit peu comme Academia, mais qui est gérée par des professeurs de l'éducation nationale, donc le soir, et c'est valable pour les BTS jusqu'à Bac plus 2. Malheureusement, les CPGE, l'aide au devoir, ils n'en ont, pour ainsi dire, plus besoin, ou alors les professeurs sont un petit peu dépassés. Donc ils ne couvrent pas les CPGE parce qu'ils sont trop forts. Mais pour les BTS, ça fonctionne, et nous avons des parents l'année dernière qui étaient très contents, et évidemment les étudiants, a priori aussi, pour pouvoir bénéficier de ce service. Donc rien que pour ça, je vous dis, réfléchissez bien. Vous aurez une documentation qui va arriver le premier jour de la rentrée dans la pile de documents. Vous avez l'explication de ce service-là. Et sinon, nous pouvons accompagner des parents. C'est un peu aussi l'objet des parents d'élèves, quelles que soient les associations. Mais nous le faisons régulièrement. Nous l'avons fait l'année dernière pour les BTS. Nous accompagnons les parents dans le cadre d'entretien avec la direction pour l'orientation, pour un problème lambda à un certain moment. Nous pouvons avoir ce soutien-là, être accompagné par un parent formé qui connaît un peu les rouages d'un établissement. Ça peut être utile. Voilà. À bientôt. Voilà. Merci, Monsieur Gibert. Donc, on va vous donner encore quelques dates principales pour la première partie, le premier trimestre de l'année. Alors, simplement d'abord pour vous rappeler que pour ce qui concerne les BTS, ils fonctionnent en mode semestriel, ce qui veut dire que les premiers conseils de classe ont lieu aux alentours du mois de janvier en général. Oui. Donc vous aurez des informations sur ces dates. C'est vrai que pour les post-bac, on a tendance à penser que ce sont des élèves un peu plus âgés que les élèves du lycée et que donc ils sont susceptibles d'être plus autonomes que les élèves du lycée. Donc voilà, donc les conseils de classe sont organisés de manière semestrielle. Je voudrais préciser, peut-être si Monsieur Grandpierre peut mettre à l'écran l'agenda et les dates, l'agenda d'abord, et puis ensuite les différents éléments qu'on présente sur YouTube, on le fera après. L'agenda, non, je préférais celui de mon bureau numérique. Donc d'abord, pour vous rappeler que vous avez effectivement dans mon bureau numérique, vous avez un outil informatique qui vous permet d'avoir les... c'était là, oui. Les dates principales de fonctionnement de l'établissement. Voilà. Donc sur mon bureau numérique, alors mon bureau numérique, je le rappelle, va être opérationnel le 31 août au soir. Et dans mon bureau numérique, vous avez une rubrique agenda que nous remplissons régulièrement. Vous avez toutes les informations de fonctionnement de l'établissement qui sont dans cet agenda-là. Si vous voulez savoir les dates d'organisation de l'établissement, de réunion parents-prof, etc., tout ça est marqué dans cet agenda. Donc je vous invite à vous y connecter régulièrement.
Et donc, dans ce premier trimestre, nous allons vous proposer une série de conférences qui vont être organisées sous la forme de YouTube Live, mais aussi en présentiel, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous allons pouvoir vous donner ces quelques dates à venir. Alors, la première des dates qu'on vous donne, c'est la fête de la science. Nous invitons à venir nombreux du 10 au 15 octobre au lycée, puisque nous présentons des animations scientifiques sur les laboratoires, mais aussi sur les ateliers. Et cette année, nous ajouterons une exposition sur l'intelligence artificielle et une exposition qui s'appelle Homo Numericus, qui est en réalité une exposition sur le numérique et sur l'histoire du numérique. Donc voilà pour la fête de la science. Vous pouvez y venir nombreux. On vous rappellera encore une fois ces informations dans le cadre d'une information régulière qu'on vous donnera, qui s'appelle Info par an, que vous recevrez tous les mois. Si vous étiez au lycée Louis Vincent l'an dernier, vous avez déjà eu cette information, mais vous le recevrez par le biais de votre adresse de courriel. C'est une information qui est relativement importante. Il peut y avoir une vingtaine de pages. Enfin, les informations qui vous intéressent sont plus limitées. En ce début d'année, donc, nous proposerons plusieurs conférences, tout un cycle de conférences. La première date est la venue de Madame Kolinka, qui est une rescapée des camps de la Shoah, qui viendra témoigner de sa vie à ce moment de notre histoire. Ça sera le 12 matin et après-midi. Vous aurez encore une fois là aussi des précisions sur ce sujet. Et là encore, tout ça sera accessible en présentiel pour certains élèves, mais à distance pour tous. Le 24 septembre et le 19 novembre, nous aurons deux conférences que nous organisons en partenariat avec la FCPE sur la phobie scolaire et sur le harcèlement à l'école. Et donc pour essayer de prévenir ces deux sujets qui sont présents dans les établissements scolaires, pas plus au lycée Louis Vincent qu'ailleurs, mais néanmoins ça existe aussi à Louis Vincent. Et je crois qu'il faut qu'on vous prévienne et qu'on vous donne les outils pour que vous puissiez réagir sur ces sujets. Dans le cadre de la Semaine de la Science, nous aurons des conférences sur des événements scientifiques. Donc, M. Jacques, qui est professeur dans l'établissement, fera une conférence sur Lavoisier, sur Ambroise. Et nous aurons M. Kérien, qui est un chercheur de l'Université de Lorraine, qui viendra intervenir sur l'intelligence artificielle dans le cadre de la Semaine de la Science. On ne connaît pas encore la date exacte, mais ça sera entre le 10 et le 15 octobre dans le cadre de la Semaine de la Science. Voilà, donc les rendez-vous de la techno, ça vous concerne un petit peu moins, puisque c'est plutôt une orientation vers les filières technologiques, et pour la plupart, vous avez déjà fait ces différents choix. Voilà pour les dates principales de ce début d'année. Et puis on va peut-être refaire une salve de réponses aux questions que vous avez éventuellement posées, si des questions sont encore existantes. Donc je rappelle juste par rapport à la réunion des parents, c'est bien mercredi la réunion des parents et pas dimanche, hein. C'est bien mercredi au moment où les élèves sont attendus pour la rentrée dans l'internat. Voilà, alors je repose une question aux personnes qui sont présentes dans la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions de parents d'élèves? Pas d'autres questions? Ben écoutez, on est très heureux d'avoir pu répondre à vos interrogations ce jour. C'était volontairement très court, hein. C'était juste pour... si vous aviez des interrogations particulières, que vous puissiez les poser lors de cette réunion. Alors, je vois qu'il y a une petite... Oui, ce n'est pas une question, mais c'est un supplément d'information par rapport à l'inscription à la fac. Effectivement, à l'issue de la deuxième année de CPGE, quand on a fini le cursus, mais il faut l'avoir fini, on obtient un certificat de la faculté, qui est fournie par l'établissement sur Faber, on le recevait par l'établissement, mais c'est un document de la faculté qui dit que nous avons le niveau Bac plus 2, c'est-à-dire le niveau d'un DEUG, avec une mention ou pas de mention, il peut même y avoir une mention attribuée en fonction du résultat des notes de l'année. Voilà, donc c'est effectivement, donc l'inscription, elle peut paraître inutile parce qu'on ne va pas au CROUS, mais ce document-là peut
par la suite servir dans la vie, parce que quand on aille faire une école d'ingénieur ou qu'on s'arrête après un CPGE pour faire sa voie professionnelle avec une orientation qu'on veut, on ne sait pas si dans 10-20 ans, on ne va pas nous demander un DEUG. Le DEUG, on l'a. Voilà. Et ça, c'est quand même un plus que je tenais à préciser. Oui, vous avez raison. Et c'est bien ce que j'avais indiqué tout à l'heure, c'est les poursuites d'études. Hein. Les poursuites d'études, quand vous avez besoin d'avoir fait les deux premières années, vous avez l'équivalence et vous n'avez pas besoin de les refaire, hein, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Alors après, il y a des conditions, encore une fois, pour que cette équivalence se mette en œuvre. Mais enfin, encore une fois, c'est important de pouvoir assurer une équivalence et de gagner 2 ans si jamais il y a un changement de parcours dans votre vie. Et encore une fois, ultérieurement, effectivement, de pouvoir avoir cette capacité d'avoir le minimum requis pour continuer des études. Voilà. Et puis en plus de ça, je rappelle que c'est obligatoire. Hein, donc c'est comme ça. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'ensemble des participants. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et je vous souhaite les meilleures réussites dans vos études et poursuites d'études au lycée du Vincent. Je vous retrouverai lors de prochaines réunions et organisations de l'établissement. Merci à vous. Bonne rentrée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.